Vraiment, Casimir, ce que tu peux être distrait, enfin. Oh. Ah, ça, Léonard a parfaitement raison. Regarde, Casimir. Toc, toc et toc. Je te mange trois pions et je fais une dame. Bien joué pour un débutant. Merci. Pas mal. C'est curieux, soudain, je n'ai plus envie de jouer aux dames. Oh non, écoute, Casimir, non. À chaque fois, c'est la même chose. Aussitôt que tu commences à perdre, tu veux t'arrêter de jouer, non? Mon canari. Allons, bon, mademoiselle Futé. Ah, vous êtes là, François. Oui. Moi aussi. Et toi aussi, Léon. Ouais. Bon, bien, je ne veux pas déranger votre partie de jam, je reviendrai plus tard. Non, mais mademoiselle Futé, vous pouvez rester, justement, nous allions nous arrêter de jouer. Alors, tant mieux. Alors? Oh, Casimir. Quoi? Casimir, j'ai quelque chose de très important à te dire. À moi? Ah oui. Bon? Oui, ouais, je préfère attendre que Léonard et François soient partis. Avec un peu de couleur. Avec un peu de douceur. Je voudrais faire un tableau de notre île. Eh bien, vous manquez singulièrement d'ardeur, tous les trois. Et en quel honneur ce grand nettoyage? C'est pour Monsieur Dusnob. Ah? Oui, il nous l'a demandé par téléphone. Oui, et il a même insisté, pardon, en disant que c'était de la plus haute importance. Oh, et de quoi s'agit-il? Eh bien, écoutez, je pense que nous le serons d'un moment à l'autre, car il doit venir, justement. Tiens, le voilà. Vas-y, plus vite, Casimir, oh, oui, dépêche-toi voilà. Un peu, allez. Oh, mais allez. Dis-moi, je fais ce que je peux. Bon, où est-ce que je pose tout ça? Ici. Hein? Non, attends, Casimir, stop. Hein? Recule. François, s'il vous plaît, oui. Pourriez-vous donner un coup de balai, s'il vous plaît? Cet endroit n'est pas très impeccable. Un coup de balai de plus, un coup de balai de moins, au fond, j'en sais. Ah, vous êtes là? Je vous attendais avec impatience. Regardez ce que j'ai fait. En voulant faire du rangement, j'ai cassé le meuble de Casimir. Seulement, il va être très en colère. Il n'est pas là. Il est chez sa tante Adélaïde. Et Léonard non plus n'est pas là. Il est chez Toba. Alors, ben, je ne sais pas quoi faire. Hein? Pardon? Ah, téléphoner à François? Ah, c'est une très bonne idée, merci. Voyons, voyons. François. Allô? Allô, François? C'est moi, Hippolyte. Oui. Oui, peux-tu venir immédiatement à la maison de Casimir? Oui, oui, oui. Mais non, mais je t'expliquerai tout à l'heure. Tout de suite? D'accord, fais vite, hein. Bien. Bon. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Voyons. On m'a dit que quand il fallait réparer un meuble, le mieux était de le démonter entièrement. Je vais faire ça. François n'aura plus qu'à remonter. Julie, François, vous êtes au courant? Il paraît que Monsieur Dusnob a quelque chose de très important à nous dire à tous les trois. De quoi s'agit-il? Mais Casimir, nous n'en savons pas plus que toi. Il nous a donné rendez-vous ici et nous l'attendons. Alors, il est en retard, comme d'habitude. Ah non, il n'avait pas précisé l'heure à laquelle il viendrait. Eh bien, du moment qu'il n'est pas là quand j'arrive, il est en retard. Prétentieux. Tiens, le voilà qui arrive. Ah, vous voilà enfin, mais dépêchez-vous, enfin, dépêchons. Bonjour, mes très chers amis. Bonjour, monsieur Dusnob. Oui, je vous ai réunis parce que l'on vient de me demander pour la fête annuelle des facteurs un petit film illustrant une des activités favorites de notre facteur Émile Campagne en dehors de son service. Ah bon? Voilà. La vie quotidienne du facteur. Exactement, oui. Oh, je ne savais pas qu'il était si populaire parmi les facteurs. Je peux dire, notre cher ami, que pour les autres facteurs, c'est un sujet de curiosité. Oui, hein.